J'ai intégré l'ENAC il y a 3 ans en promo ENAC 15 et je me suis spécialisée dans l'aéroportuaire, la gestion du management aéroportuaire. J'ai étudié pendant 3 mois la finance à Londres dans un cabinet de conseil spécialisé en aviation et en aéroportuaire. Et là en ce moment je suis revenue sur le campus de Toulouse et j'étudie les achats et la supply chain. Et en ce moment je suis en double diplôme en école de commerce à Toulouse Business School. Alors moi, je voudrais vraiment me spécialiser dans les aéroports. Pour moi, en fait, un aéroport, c'est vraiment le cœur névralgique de l'aéronautique. C'est là où on va vraiment exploiter les avions, où les compagnies aériennes vont être au cœur du métier, en fait. Et c'est ça qui me plaît, c'est quelque chose qui est très concret. En temps réel, il faut gérer les opérations, à la fois gérer tous les travaux qu'il peut y avoir sur une plateforme aéroportuaire, parce qu'il faut, avec l'augmentation du trafic, les aéroports deviennent de plus en plus grands. Et c'est vraiment tous ces challenges à relever de l'exploitation en temps réel des pistes, des taxiways, des parkings avions et des aérogares. C'est vraiment ça qui me motive à bosser dans ce domaine. Dans le cadre de mon double diplôme avec TBS, j'ai eu l'occasion de partir sur le campus de Londres. Et donc j'ai étudié là-bas la finance et ensuite je suis restée 3 mois de plus en stage. Ça a vraiment été une très bonne opportunité. Et si j'ai eu l'occasion de partir, c'est notamment grâce à la bourse internationale de l'ENAC. Donc je tiens vraiment à remercier GIFAS et le fonds de dotation de l'ENAC parce que c'est vraiment grâce à ça que j'ai pu partir à Londres. Sans ce soutien financier, j'aurais pas pu partir. J'étais vraiment intégrée dans l'équipe de mon stage avec beaucoup de jeunes diplômés venant de plein de pays d'Europe et du monde. Grâce à cette expérience, j'ai pu vraiment me libérer en anglais et être vraiment plus à l'aise en anglais. Et c'est ça qui m'a vraiment aidée et qui m'a beaucoup apporté. Et j'en retiens vraiment des très bons souvenirs, la vie en colocation avec des étrangers, japonais, chinoises. C'était vraiment une expérience unique et vraiment, vraiment bien. Alors je pense que pour tout le monde et pour les ingénieurs aussi, c'est vraiment important d'avoir une expérience à l'international. Ça nous ouvre vraiment et on est obligé de dépasser nos limites parce qu'on n'est pas dans notre culture, on n'a pas nos habitudes, il faut parler notre langue. Et c'est très bien que l'ENAC encourage tous ses étudiants à partir. C'est vraiment en partant à l'étranger qu'on peut un peu se découvrir et qu'on peut en apprendre plus sur soi, sur les autres. Alors mes meilleurs souvenirs à l'ENAC, je pense que c'est dans les clubs sportifs. J'ai adoré faire partie de l'équipe de football de l'ENAC, l'équipe féminine. Là on joue comme super-héros au foot féminin et c'est super à l'ENAC, on a plein de sports, des activités de musique, de danse, des pom-poms, la banda ce soir, c'est une super ambiance. En tant que fille, je ne me suis jamais posé de limites et toutes les filles à l'ENAC, on est très bien intégrées et même dans nos carrières, beaucoup de choses sont faites pour que les femmes soient plus représentées. Mais j'encourage vraiment toutes les filles à se surpasser et à croire en elles, à vraiment donner tout ce qu'elles ont parce que ça en vaut vraiment le coup.